Venons peut-être au, au projet de loi de finances 2022. Eh, il s'est basé sur des hypothèses, pour ne citer que l'inflation, 1,2%, alors qu'il euh, y a toujours une flambée des, des matières premières. Euh, le, le, ah, la de, campagne agricole avec exactement. 80 millions de, de, de quintaux, de quintaux euh, alors que la pluie n'est toujours pas arrivée. Ou encore la demande extérieure avec 6,7%, alors qu'on est toujours dans une. Dans un contexte et une conjoncture morose à l'échelle internationale, jusqu'à quel degré peut-on nous nous fier un peu de ces, ah, des, ces hypothèses, ouais. des, des hypothèses proposées par le PL 2020 Oui, je comprends vos interrogations par rapport aux hypothèses sous-jacentes à l'élaboration de la loi de finances 2022. C'est pas le plus grave, c'est pas le plus important. Mais je vais pas éluder votre question. Euh, effectivement, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont euh, euh, assez euh, troublante et je dirais même qu'il y a au-delà d'hypothèses troublantes il y a même des erreurs de construction de, euh, du programme gouvernemental d'erreurs de macroéconomie dans l'élaboration des objectifs du programme gouvernemental et de la loi de finances alors prenons quelques exemples le taux d'inflation euh, nous sortant d'une phase effectivement où le taux d'inflation était relativement maîtrisé nous avons eu euh, deux années autour de 0,8 1% et évidemment euh, nous L'inflation va augmenter euh, du fait d'abord euh, euh, de l'impact euh, de la reprise économique au niveau international, puisque tous, ces, tous les pays euh, avec lesquels nous commerçons eh bien, constatent eux aussi une augmentation du taux d'inflation. Mais à la rigueur, euh, comment dirais-je, euh, c'est moins grave parce que la maîtrise et la gestion de l'inflation euh, ne relèvent pas du gouvernement, comme vous le savez, mais de la Banque, la banque centrale. centrale. Euh, ce qui est par contre euh, un peu étonnant, c'est par exemple l'hypothèse sur le prix du gaz du butane. Pour 2022, il est fixé à 450, 450. dollars la tonne, alors que le gouvernement lui-même, dans les documents de la loi de finances, dit que les prix ont augmenté... La moyenne était de 380 dollars en 2020, mais en 2021, on constate la, le, la flambée, flambée des prix des hydrocarbures. Euh, eh bien, les prix constatés du, sur les neuf premiers mois de 2021 ont varié entre 550 et 760 dollars. Alors, comment se fait-il qu'on construise un, un, un budget sur une moyenne de 450 dollars C'est surprenant. Euh, pour les 80 millions de quintaux de production céréalière, ils ont simplement pris la moyenne sur les cinq dernières années, parce que sur les cinq dernières années, on a eu trois, trois années de bonne pluviométrie, où la production nationale était autour de 100 millions de quintaux. Et on a eu deux années de sécheresse, de faible pluviométrie, où on a eu 51-52 millions de quintaux, puis 32 millions de quintaux. Et donc, si vous faites la moyenne sur cinq ans, ça fait 77 millions de quintaux. Ils ont pris 80 millions. Et donc, difficile. Ce n'est pas sur cela qu'il faut. Euh, comment dirais-je, objecter au gouvernement dans l'élaboration euh, de la loi de finances. C'est difficile, personne ne peut savoir quelle sera la pluviométrie. et donc combien est-ce qu'on aura Est-ce qu'on aura 80 millions ou 50 millions ou 100 ou 110 millions de quintaux Non, non c'est dans, le ben dans les hypothèses. C'est hi... que même quand les hypothèses sont biaisées, on ne recourt pas, on recourt pas à une loi rectificative automatiquement. Il faudrait le faire. Ce n'est pas, pas, pas un mot vulgaire. Une loi de finances rectificative n'est pas un mot vulgaire. D'ailleurs, on l'a fait en 2021, parce qu'on a été forcé par la crise de la COVID-19. Mais je pense qu'effectivement, que si, si nous construisons des, des lois de finances avec des hypothèses qui s'avèrent être erronées, avec des conséquences significatives sur les résultats, il faut ne faut pas hésiter à, à, à élaborer des, des lois de finances rectificatives. Mais je reviens pour, à la question principale. Les erreurs de construction sont à la base même de l'élaboration du du programme gouvernemental de la loi de finances. Je prends par exemple la croissance économique. Au-delà du fait qu'elle reflète un déficit d'ambition, 3,2% en 2022 et dans le programme gouvernemental, une moyenne annuelle de 4%. On parle on... de prudence, le gouvernement parle de prudence. Non, c'est un déficit d'ambition. C'est un déficit d'ambition, pourquoi Parce qu'il y a un décalage par rapport à l'ambition qui est fixée dans le nouveau modèle de développement, 6% minimum, 6 à 6,5%, et à 4%, on ne transforme pas le pays à 6-6,5%, sans discontinuité pendant 15-20 ans, là on commence à transformer le pays. Mais lorsque vous regardez même les, les, les hypothèses même de construction du programme gouvernemental, 4% de croissance, c'est à peu près 100 000 emplois nets par an, puisque l'élasticité croissance-emploi est de l'ordre de 22 000 à 25 000 emplois par an. Même le ministre délégué euh, chargé du budget a reconnu, euh, dans les échanges au sein de la, la commission, commission des Finances, Qu'un point de croissance créé 22 000 à 25 000. Donc on est d'accord sur ça. Donc quatre points, ça fait 100 000 maximum d'emplois par an. Donc sur la législature, 500 000 emplois, et non pas un million, million, et non pas un million comme cela est annoncé par le gouvernement. Deuxième exemple, le taux d'emploi des femmes. Ils veulent le porter de 20 à 30 Nous avons à peu près 37 millions de Marocains et de Marocaines, à peu près 18 millions et demi de, de, de femmes. Et euh, les femmes âgées de 15 ans et plus, celles qui sont en situation d'être en activité, c'est à peu près 13 700 000 femmes au Maroc. Et euh, porter le taux d'emploi de 19% à 30%, ce qui n'est pas de 20%, il est de 19% aujourd'hui, euh, c'est 11%, c'est 1,5 million d'emplois. Donc si on veut simplement améliorer le taux d'emploi des femmes à l'horizon 2026, et le porter à 30 on doit créer 1 million 500 000 emplois rien que pour les femmes. Pour les femmes. Alors, comment est-ce que vous voulez créer 1 million 500 000 emplois rien que pour les femmes et en même temps 1 million d'emplois pour, pour tous les Marocains, le les messieurs et les dames Vous voyez bien qu'il y a des incohérences majeures dans, euh, dans le programme gouvernemental et dans la loi de finances et je le regrette. En deux mots, M. Bnoumoussa, le PLF 2022, est-ce que c'est un PLF d'austérité ou bien un PLF de relance C'est un PLF de continuité et c'est un PLF de réduction à la marge des déficits budgétaires et de croissance supplémentaire marginale. On le voit, on vient d'en parler, le taux de croissance, la réduction du déficit budgétaire, on souhaite le réduire à 5,9%, sans proposer une refonte totale de la politique budgétaire. Ce que fait le nouveau modèle de développement Le nouveau modèle de développement propose une nouvelle doctrine dans la gestion budgétaire de, du pays. Nous ne l'avons pas dans le programme gouvernemental ni dans la loi de finances. Et le nouveau modèle de développement propose d'avoir une politique budgétaire à double détente, en distinguant le déficit budgétaire en deux, le déficit structurel et le déficit conjoncturel. Le déficit structurel, lui, répond et reflète les grands équilibres structurels de l'économie. Et il est le reflet des réformes structurelles que mène le pays. Ce déficit-là, oui, il faut avoir une politique de rigueur et il faut avoir euh, une vision à long terme pour pouvoir le réduire à une portion congrue, voire même le supprimer. Et ça, vous devez le faire dans le temps long, sans pression des marchés financiers, sans pression des bailleurs de fonds, du FMI, de la Banque mondiale, sans pression des agences de rating. Pourquoi Sans pression de la fiscalité aussi. Je vais revenir sur la fiscalité. La fiscalité, il y a la pression. Il faut l'accepter, il faut la gérer. Je vais vous répondre sur la fiscalité. Donc ce déficit structurel, il faut le corriger à long terme. Et il faut le faire en, avec nos partenaires internationaux, mais en démontrant que le Maroc est dans la bonne voie de la restructuration de son économie à travers les réformes qu'il faut, la réforme de l'administration, la réforme... Euh, des euh, entreprises publiques, la réforme fiscale, la réforme du secteur bancaire, du marché financier, etc. etc. À côté de ce déficit structurel qu'il faut gérer sans pression mais avec détermination dans le long terme, vous avez un déficit conjoncturel qui lui doit être géré avec intelligence et sans pression et qui lui doit venir appuyer les politiques publiques d'État social, d'État stratège, d'État régulateur, d'État investisseur, doit venir financer justement les programmes de protection sociale et doit financer également les investissements de l'État dans les filières d'avenir, dans les secteurs stratégiques. Et donc c'est cette politique budgétaire à double détente qu'il faut réinventer et que malheureusement le gouvernement n'a pas su faire, alors que le nouveau modèle de développement a défini la doctrine pour y parvenir. Maintenant pour ce qui concerne la fiscalité. C'est la mère des réformes. Et c'est elle qui va conditionner le succès du nouveau modèle de développement ou qui va, à Dieu ne plaise, expliquer son échec. Parce que la réforme fiscale, c'est celle qui va permettre à l'État de mobiliser les ressources financières qui vont lui permettre de financer tous ses besoins, toutes ses fonctions, toutes les fonctions régaliennes de l'État, ses fonctions réinventées, d'État stratège, comme je viens de le dire, de régulateur, d'État de providence, d'État social d'État investisseur. Je vous rappelle que rec les recettes fiscales, c'est 90% des recettes du budget général de l'État. Hein, nous avons à peu près euh, euh, dans les recettes, du budget, de recettes publiques, donc budget général de l'État, mais aussi les comptes spéciaux du Trésor, euh, les entreprises publiques, euh, les, les recettes d'emprunt, etc. Nous avons à peu près 460 milliards de dirhams pour 520 milliards de dirhams de, de dépenses. Public, ce qui laisse un gap de 59-60 milliards de dirhams. Hors recettes d'emprunt et hors amortissement et service de la dette, le gap il est de 100 milliards de dirhams. Donc, dans les recettes publiques, les recettes fiscales, vous avez les recettes pardon, budgétaires, et dans les recettes budgétaires du budget général de l'État, les recettes fiscales, c'est à peu près 40, 90%, 230 milliards de dirhams. C'est dire l'importance. Si vous n'êtes pas en capacité d'améliorer votre revenu, votre rendement fiscal, le rendement de votre système fiscal, eh bien, vous êtes privé des moyens d'action. Et tout ce que vous allez déclarer dans votre politique gouvernementale, ça va rester une vue de l'esprit. Or, la recette, la, 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 la recette fiscale, elle est liée évidemment à la réforme fiscale. Lorsque vous regardez les mesures qui figurent dans la loi de finances 2022, vous avez des mesurettes. Hein, baisser le taux de l'IS de 28 à 27 pour. Euh, l'industrie euh, mettre une contribution euh, de solidarité sur euh, les bénéfices des sociétés qui ont plus d'un million de dirhams le passage de la progressivité à la proportionnalité le passage de la progressivité à, à la proportionnalité pour le taux de l'IS Je ne dis pas que c'est des mauvaises mesures c'est des mesures positives mais elles sont très en deçà de l'enjeu très en deçà regardez les il a été beaucoup critiqué par rapport à ça que le, il était très timide en matière de ben, de, de la la, la meilleure démonstration de la timidité, moi je parle ça plutôt un déficit d'ambition. La meilleure démonstration, c'est le niveau des recettes fiscales attendues au terme de l'année 2022, 230 milliards de dirhams. Nous sommes à un, à un niveau que nous avions en 2017. En 2017, nous étions à 227-228 milliards de dirhams de recettes fiscales. Et en 2019, nous étions à 239 milliards de dirhams de recettes fiscales. Nous faisons du surplace. Alors que nous sommes censés mener une réforme fiscale qui va nous permettre d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer le rendement de l'impôt. Nous avons un taux de pression fiscale dans notre pays de 20,5%, hors cotisation sociale obligatoire. Et si on prend en considération les cotisations sociales obligatoires, il n'y a pas de statistiques officielles malheureusement. Moi je les estime autour de 40 milliards de dirhams annuellement. Par rapport aux standards internationaux, quelle Alors, appréciation avez... peut-on faire de la pression Alors, fiscale au Maroc Elle est faible. Nous, avons, nous le disons dans le nouveau modèle de développement. Nous disons qu'il y a un potentiel fiscal immédiat de minimum 3% du PIB. C'est-à-dire 35-40 milliards de dirhams qu'on doit mobiliser annuellement tout de, suite, tout de suite. La moyenne européenne est autour de 39%. Compte tenu des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire prélèvements fiscaux et cotisations sociales obligatoires. Et vous avez le plafond c'est la France, la Belgique, les pays scandinaves autour de 45-46%, ils étaient il y a quelques années à 49%. Et vous avez les taux les plus faibles, c'est-à-dire euh, les pays euh, essentiellement de l'ex-Europe de l'Est plus l'Irlande, qui sont autour de 30%. Nous, nous sommes à 20,5% en prélèvement fiscal impôt, et si on rajoute les cotisations sociales euh, obligatoires, nous serions autour de 23-24%. Donc nous avons un gap important à combler. Et euh, comment est-ce qu'on y parvient bah, Il faut mettre en œuvre. Il oeuvre. faut le combler, mais encore faut-il, à bon escient. Il ne faut pas qu'il y ait encore de, de l'iniquité et, et des inégalités fiscales. Le combler, ça ne veut pas dire aller, euh, comme cela a été fait dans la loi de finances 2022, augmenter la pression fiscale sur ceux qui dé, paient, déjà payent l'impôt. Mais plutôt aller demander l'impôt à ceux qui ne payent Exactement. pas. Lorsque vous avez 1% des sociétés qui, payent 4, qui génèrent 40, 80%, 80 des recettes de l'IS, il y a un problème. Ça, soit, ça sert à quoi de, de changer la tarification de l'IS sur les 1, les 1% Allez vous intéresser aux 99% qui, qui payent 20% de, des recettes de l'IS. Lorsque vous avez des professions. Euh, voilà, qui, sans euh, compter la réduction des bénéfices, sans compter pas mal de... Oui, et qui font de l'optimisation fiscale. Euh, regardez les recommandations du nouveau modèle de développement vous allez voir toute une pléthore de euh, propositions qui ne figurent ni dans le programme gouvernemental, ni dans la loi de finances et quelques unes seulement dans la loi cadre sur la réforme fiscale. Je pense par exemple à la suppression des systèmes de retenue à la source à taux libératoire. Il faut les supprimer. Mais rien dans ce sens. Il, y a il faut pas harmoniser aussi fiscales pour équilibrer le Absolument il faut harmoniser également les règles de calcul de, de, de la matière imposable, quelle que soit la nature des revenus. Les mêmes règles de calcul, les mêmes bases de calcul, les mêmes seuils, les mêmes taux, ce n'est pas le cas. Il faut également euh, instituer un impôt de solidarité sur la fortune non productive, qui ne participe pas à la création de richesse. C'est une recommandation de, du nouveau modèle de développement. Ça ne figure ni dans le programme gouvernemental ou la loi de finances, ni même dans la loi cadre de réforme fiscale. Et il faut évidemment euh, rationaliser les dépenses fiscales, qui aujourd'hui sont euh, autour de 300 mesures, dont 258 ou 59 sont évaluées, autour de 29,5 milliards de dirhams de coûts budgétaires annuels. Ben, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut plafonner euh, les dépenses fiscales par contribuable il faut les limiter dans le temps et il faut surtout, parce que, donc, ce qu'on ne fait pas, mesurer l'impact économique et social et voir si oui ou non le bilan est positif. Et il faut rationaliser tout ça et mettre de l'équité. Dans le nouveau modèle de développement, nous avons par exemple proposé de plafonner euh, l'exonération totale des donations euh, entre membres d'une même famille. Vous avez des optimisations fiscales énormes qui se font en la matière. Nous avons également proposé de revoir le système de taxation euh, de l'héritage. Euh, tout en maintenant la taxation au moment de la sortie du bien, c'est-à-dire pas au moment où on hérite le bien, mais au moment où il est vendu. Donc ça, c'est la situation actuelle et nous pensons qu'il faut maintenir cette situation, sauf que lorsque le bien est vendu, nous pensons, dans les recommandations du nouveau modèle de développement, nous pensons qu'il faudrait que la plus-value soit calculée, non pas sur la base du, de la valeur actuelle du bien au moment du décès de, de la personne concernée, mais plutôt... Sur la base du coût historique. Voilà un certain nombre de mesures qui figurent dans le nouveau modèle de développement, qui constituent une vraie réforme fiscale, qui va élargir l'assiette fiscale, qui va créer de la justice fiscale, qui va créer de l'équité fiscale et qui ne figure encore une fois ni dans le programme gouvernemental, ni dans la loi de finances, ni même dans la loi cadre. Sans oublier évidemment toutes les propositions que nous faisons pour euh, lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale, la ré réactivation, euh, plutôt l'activation. Euh, de la commission de lutte contre les infractions fiscales, euh, la publication de la jurisprudence anonymisée de la commission nationale du recours fiscal ou l'extension de la responsabilité euh, aux conseils fiscaux, aux experts comptables, lorsqu'il y a manifestement des fraudes fiscales et que leur responsabilité, leur complicité est démontrée dans la matérialité des faits. Mais voilà des choses la concrètes. Digita qui la sont... digitalisation de la direction des impôts. Maintenant, on peut recouper les infos, les, les, les informations. Et... Oui, c'est une bonne chose. Voilà, c'est un travail qu'il faut saluer, mm -hmm. qui a été fait par euh, les gouvernements précédents et la direction générale des impôts se digitalise davantage. Il faut aller plus loin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment. Euh, la fusion des bases de données des différentes directions du ministère de l'économie et des finances, qui n'existent pas. Aujourd'hui, chaque direction a sa propre base de données. C'est un territoire, chacun intervient en vase clos. Bon, évidemment, ils font des échanges de, de, de fichiers, mais ce n'est il... pas, pas suffisant. Il faut qu'il y ait, un peu comme ça existe dans d'autres pays, il faut qu'il y ait une unification des bases de des données. Bases de données. Qui relève du ministère de l'économie des finances pour améliorer la connaissance des contribuables. Est-ce qu'on peut parler du premier flop de, de l'équipe Arnouj, notamment en matière de, de, de mise en, en œuvre de la réforme fiscale Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un flop Oui, premier flop de, de l'équipe. J'espère que ce sera le dernier. Le premier, le dernier J'espère. Non, non j'utiliserai pas ce, ce, ce terme. Je dirais que c'est un, un manquement majeur. un manquement majeur. Il n'y a rien dans la loi de finances 2022 qui augure d'un vrai commencement de la réforme fiscale. Et la réforme fiscale, on ne va pas attendre ad vitam aeternam pour la mener. Soit il y a une volonté réelle d'aller dans cette voie, soit on fait semblant. Or, j'ai l'impression qu'on fait semblant. Et le nouveau modèle de développement a besoin de ressources financières et fiscales importantes. Pour appuyer l'amorçage des réformes. Et l'amorçage des réformes, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est 2022. Les Marocains attendent des réformes majeures et qui ont besoin de ressources financières importantes. Je vous rappelle que le projet de la protection sociale qui est porté par le souverain, c'est un coût budgétaire estimé à 51 milliards de dirhams. Vous le financez comment Il faut mobiliser de la ressource fiscale. Parmi les propositions que nous avons faites en matière de réforme fiscale, c'est la création d'une TVA sociale également. C'est une surtaxation des produits de luxe ou des produits dits nocifs pour la santé. Il y a une cohérence dans tout ça. Or, dans la loi de finances, on n'a pas encore commencé. Et l'amorçage, il faut le faire l vite. l'actuel gouvernement de taxer ces niches. Posez la question à oui, le chef du gouvernement. Je ne sais pas ce qui se passe dans son esprit. Moi, quand j'écoute la ministre de l'économie et des finances et le ministre euh, chargé délégué du... chargé du budget. Écoutez, franchement, j'ai des réponses assez plates. Euh, moi, je m'inscris plutôt dans une vision stratégique, une vision politique de la, de, de la gestion euh, euh, des affaires publiques, de la politique économique, de la politique fiscale, de la politique budgétaire. Euh, les réponses qui sont données en commission des finances sont assez, assez, assez plates. Et il faut mettre du relief dans le débat, il faut mettre du relief dans dans la vision stratégique, euh, dans l'ambition qu'on porte pour son pays. Et, et je pense qu'effectivement, on a besoin d'un débat sur ça. Il faut qu'on comprenne un peu quelle est la, la philosophie du gouvernement derrière les, les mesures euh, qui sont proposées. Est-ce qu'il y a une philosophie Est-ce qu'il y a une vision Est-ce qu'il y, une... est qu y, une... Une est qu y a une volonté de changement aussi Est-ce qu'il y a une volonté de changement Moi, je, je ne veux pas faire de procès d'intention. J'analyse euh, lucidement, froidement les mesures qui figure dans le programme gouvernemental et dans la loi de finances. Et je constate que nous sommes très très en deçà de ça, de l'ambition portée par le nouveau modèle de développement, incontestablement. Mmh. Euh, il y a aussi une question intéressante qui interpelle, celle de la souveraineté nationale. Depuis le déclenchement de la crise, ce mot revient en boucle. Euh, on parle de souveraineté sanitaire, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Mais à la lecture de, du PLF 2022, on voit qu'il brille par l'absence de dispositions en faveur de l'atteinte de cet objectif. Êtes-vous du même avis, M. Moussa Est-ce qu'il y a des mesures opérationnelles Non. Concrètement, non. C'est annoncé. Ouais. C'est annoncé dans le programme gouvernemental. C'est annoncé dans le, le cadre de référence de la loi de dans finances. Le PLF, il, ouais. il, il parle de... La forcément, nationale. parce que ça fait partie des orientations de Sa Majesté. Je vous rappelle que le souverain, dans le discours d'ouverture de la session parlementaire, il a euh, appuyé son propos sur trois grandes priorités stratégiques du gouvernement. D'une part... Euh, d'abord, pardon, euh, et c'est le premier point, celui que vous citez justement, assurer la souveraineté nationale dans des produits stratégiques, à caractère alimentaire, sanitaire ou énergétique. Deuxièmement, poursuivre le programme de relance euh, et de soutien au, à l'économie et aux entreprises dans le contexte de euh, la COVID-19, de la crise de la COVID-19. Et troisième priorité stratégique, la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Et donc, le Projet de loi de finances 2022 euh, se réfère à cet euh, aspect que vous venez de citer, à savoir assurer les réserves et les stocks euh, de sécurité stratégique du pays. Mais c'est tout. Nous n'avons aucune information, et je le déplore là aussi, euh, ni sur euh, la nature exacte des biens qu'il faut euh, constituer en, term en termes de stock euh, de sécurité, ni sur le volume, le montant, ni sur les délais. Ni sur le coût financier, ni sur l'identité de ceux qui vont assumer le financement. Parce que ce n'est pas simplement que l'État qui doit faire cela, mais aussi le secteur privé. Je prends un exemple, d'ailleurs, qui a été abondamment développé dans un rapport de la Cour des comptes euh, les stocks de sécurité énergétique. Nous sommes en deçà des stocks de sécurité tels qu'ils sont fixés par la loi. Pourtant, l'État a accordé une partie. Euh, des taxes euh, parafiscales euh, aux distributeurs des hydrocarbures pour justement constituer ces stocks. Et donc c'est un vrai, un vrai sujet. Et il va falloir faire cet exercice partout, dans tout, tout, les, tout ce qui concerne les stocks euh, euh, de sécurité stratégique. Sur ces questions-là, combien est-ce qu'il faudrait qu'on ait de, de stocks de sécurité euh, en, en gazole, en, de en essence super, euh, de la en grains, en sucre, en farine, en huile, euh, en produits sanitaires, en médicaments Lesquels Comment Qui va financer Où est-ce qu'on va les stocker Quel est le, le... sur toutes ces questions-là Effectivement, c'est le c'est le flou artistique. Mais bon, j'imagine que le chef du gouvernement a dû charger les ministres concernés de travailler dans ce sens, et j'espère qu'ils vont nous nous, nous apporter euh, des informations euh, assez urgemment. En tout cas, c'était la première des trois priorités stratégiques soulignées par le souverain. Je voudrais juste évoquer une réforme stratégique qui peine à voir le jour, celle, celle de la caisse de compensation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le moment opportun pour euh, euh, continuer la réforme qui a démarré avec euh, les hydrocarbures Vous appelez ça une réforme stratégique, moi je n'appelle pas ça une réforme stratégique. Moi j'appelle ça une... Euh... Une mesure de, de rationalisation budgétaire, tout simplement. Euh, C'est vrai que la caisse de compensation avait un déficit important. 58 milliards en 2012, lorsque les prix du Brent avaient flambé jusqu'à atteindre 145 ou 150 dollars le baril. Et donc l'État a décidé de supprimer les subventions sur les hydrocarbures comme première étape. Ça a permis de. Réduire drastiquement le coût budgétaire. On est passé de 58 milliards autour de 18, 19 milliards de dirhams en termes de compensation, euh, de coût de la caisse de compensation en direction de trois produits le gaz butane, le sucre et les céréales. Est-ce qu'il faut poursuivre La réponse est oui. Pourquoi Parce que c'est injuste. Alors euh, certains vont être choqués. Non, les citoyens qui sont vulnérables. Euh, euh, je ne dis pas qu'il faut supprimer comme on l'a supprimé les subventions sur les hydrocarbures. L'économie qu'on a réalisée de 30-35 milliards de dirhams, moi je m'attendais à ce qu'elle soit réorientée vers non, le financement ça, des, 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 des départements sociaux. sociaux, ce qui n'a pas été le cas. Mm. Ça a été réorienté très partiellement, très partiellement. Donc il faut supprimer ces subventions, mais je précise bien, pour que les citoyens qui nous écoutent le, 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 le perçoivent, il y a une condition, un prérequis, une condition préalable avant de les supprimer. C'est activer les le directs, registre social uni unifié. unifié. Et, et c'est verser d'abord aux couches sociales fragiles, vulnérables, pauvres, en situation de préca précarité, des aides directes de l'État, significatives, qui leur permettent de vivre dignement. Et c'est après avoir fait cela qu'il faudra supprimer les 16 ou 18 ou 19 milliards de dirhams de subvention de la caisse de compensation, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Ben écoutez, c'est la différence entre une approche stratégique politique d'une problématique et une approche purement technique et budgétaire. Dans le PLF 2022, il y a un chiffre qui interpelle les 245 milliards de dirhams d'investissement public. Oui. Certes, ce chiffre il a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi des questionnements par rapport à son mode de financement et aussi par rapport à son efficacité. C'est des questionnements légitimes. D'abord, ce n'est pas une surprise. Euh, depuis dix ans, euh, l'État porte l'essentiel de l'investissement national. Heureusement. Sinon, notre économie aurait été dans une situation encore plus fragile. Il faut s'en féliciter. L'État fait son travail et euh, prend euh, toute sa peine dans l'effort d'investissement national. L'enjeu pour l'avenir, et c'est souligné encore une fois dans le nouveau modèle de développement, c'est qu'on euh, puisse PIB. inverser, qu'on puisse garder un même rythme d'investissement national, qui est autour de 30-31% du PIB, ce qui est un taux très élevé, il faut s'en féliciter, mais dans la structure de ces 30-31%, il faut inverser. L'État qui représente aujourd'hui l'essentiel, peut-être 65 ou 70%, il faut que l'État réduise la cadence, la voilure, mais... Il faut que le secteur privé, puisse, secteur privé puisse prendre la relève et que le secteur privé puisse, à terme, c'est ce qu'on a mis dans le nouveau modèle de développement, puisse représenter 65% de l'investissement national. Ce qui est loin d'être gagné. Ce sont pas les petites mesures que vous avez dans la loi de finances qui vont débrider la machine économique et qui vont libérer les énergies et qui vont pousser les entreprises, les hommes d'affaires, les jeunes à investir capter également des flux d'investissement extérieurs pour pouvoir euh, relancer l'investissement privé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons une vraie vraie problématique d'efficacité, d'efficience de l'investissement public. Vous savez que cette efficience est mesurée à travers un indicateur qui s'appelle l'ICOR et nous avons un taux extrêmement mauvais. Nous avons un ICOR de 7,2 alors que euh, les pays d'Asie, du sud-est asiatique, les pays du sud-est asiatique qui sont euh, cités en référence, ils ont des ICOR de 2,4. Ce qui veut dire que pour une, une unité euh, de capital investi, eux produisent pratiquement euh, trois fois plus que nous de richesse, ce qui est anormal. Pour réorienter Donc, les investissements vers des secteurs. Alors, il y a d'une part un effort de réorientation de l'investissement public vers des secteurs créateurs de valeur ajoutée, d'une part, et d'autre part, il y a aussi un travail à faire de rationalisation de l'investissement public, de recherche de, de performance, d'efficacité. Et de sanctions également on des peut fraudes. peut citer également l'exemple le, de la Turquie. Le Maroc a le même euh, euh, taux d'investissement que la Turquie. La Turquie est la même, 28 nous on est à 30 et pourtant la Turquie réalise un taux de croissance de 6 C'est l'objectif oui, que nous souhaitons juste, atteindre. Oui, c'est juste. Oui, j'ai parlé des pays du sud-est asiatique, j'aurais pu parler également de la Turquie qui est dans une situation comparable aux pays euh, euh, d'Asie, c'est vrai. Ils ont un taux d'investissement. Très proche du nôtre, nous sommes même au-dessus, c'est vrai, vous avez raison, mais ils ont un taux de croissance deux fois supérieur au nôtre. Ça veut dire que leur investissement, il est plus productif. Mais attention, en Turquie, l'investissement de l'État existe. Mais il est essentiellement porté par le secteur privé. Ce qui Ils est sont pas... à 72-30%, le secteur privé 70% et l'État 30%. C'est ce que je viens de dire. Et en plus, le secteur privé, les investissements sont tirés par les grands groupes nationaux. Donc nous sommes d'accord. C'est le secteur privé qui tire l'investissement national turc, alors que c'est le secteur public qui tire l'investissement national marocain, ce qui est une anomalie. Donc nous avons un double enjeu. Il faut que le secteur privé puisse monter en puissance, d'une part, et d'autre part, il faut que l'investissement public euh, national. Soit plus productif, comment le faire En réorientant vers un certain nombre de filières d'avenir, de filières stratégiques, de secteurs stratégiques, et aussi en rationalisant, en améliorant la gestion, euh, la gestion publique. On a parlé de l'efficacité du secteur public, des investissements du secteur public, mais il reste encore le mode de financement. Comment financer Alors, les 245 le... milliards de On en a parlé partiellement tout à l'heure. D'abord la réforme que la ministre fiscale. n'a pas répondu à cette question. On ne sait pas comment ils vont financer les 245 milliards de dirhams. Bah, écoutez, comptablement, euh, ils ont présenté quand même euh, la quadrature du cercle et ils ont présenté euh, les, les sources de, de financement, mais c'est très insatisfaisant. Euh, dans la loi de finances, vous avez un budget qui est bouclé quand même. Vous avez, euh, je vous le disais tout à l'heure, 520 euh, milliards de dirhams de dépenses publiques, 460 milliards de dirhams de recettes publiques, ce qui vous donne. Un besoin de 58-59, on va dire 60 milliards de dirhams. Et ça, ça va être financé par de la dette publique, de la dette euh, publique intérieure et extérieure. Donc c'est bouclé. Est-ce que c'est satisfaisant Non, parce que c'est dans le statu quo. Parce qu'on n'a aucune euh, amélioration de, euh, des équilibres structurels de notre économie. Je, veux, je ne dis pas qu'il faut réduire le déficit budgétaire, mais il faut le gérer de façon plus intelligente en le scindant en deux, comme je le disais tout à l'heure, le déficit structurel, le déficit conjoncturel, premièrement. Deuxièmement, il faut lever, il faut activer pardon, les leviers de financement. Or, le nouveau modèle de développement a identifié sept leviers de financement. Sept. D'abord, la réforme fiscale. On en a déjà parlé. Il n'y a pas de réforme fiscale, il y a des mesurettes. Or, la réforme fiscale est de nature à créer immédiatement, au minimum, trois points à trois points et demi de de richesses nationales supplémentaires, de, de recettes fiscales supplémentaires qui représenteraient 35-40 milliards. Deuxièmement, vous avez la refonte de la politique budgétaire. C'est ce que je disais déficit structurel, déficit conjoncturel. Ne pas rester arc-bouté, les mains ligotées, focalisé sur un déficit global qu'il faut absolument réduire pour plaire au FMI, à la Banque mondiale, aux agents de rating. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La souveraineté nationale, elle est aussi. Dans la conduite de la politique, dans la conception et la conduite de la politique monétaire, de la politique économique pardon, politique monétaire faisant partie de la politique économique, et il faut pouvoir se ménager des marges de manœuvre budgétaire dans une discussion euh, franche avec ces insti institutions internationales, en démontrant la capacité du Maroc à se réformer structurellement, à être en capacité de gérer cette, ce double déficit budgétaire, mais dans la durée sans, sans la contrainte. Vous avez également la rationalisation de la dépense publique. Il faut une sorte de revue générale des dépenses publiques. Et euh, il faut euh, aller chasser chaque million de dirhams de dépenses budgétaires inutiles ou inefficientes. On parlait tout à l'heure de l'ICOR. Il faut tout de suite descendre de 7,2 à 5, puis à 4, puis à 3. La quatrième source, c'est euh, euh, la, la gestion de la dette publique. Lorsque vous regardez la manière dont la dette publique est gérée, c'est un statu quo total. Or, la, la dette publique, il y a plusieurs techniques à activer. Vous n'avez pas ces, ces techniques, malheureusement, pour pouvoir réduire le service de la dette, pour pouvoir réduire le coût de la dette. Le coût moyen de la dette publique marocaine elle est de 3,6%. C'est excessivement élevé. Vous avez des pays qui lèvent de la dette avec des taux négatifs aujourd'hui en Europe. Alors, je ne vais pas comparer le Maroc à l'Allemagne ou même à la France qui elle a un taux d'endettement de 125 ou 120 alors que nous nous sommes plutôt à 95 mais quand même nous pouvons faire mieux et donc il faut négocier avec les bailleurs de fonds rééchelonner réduire les taux la faire des haircut la conversion de la dette en investissement faire des haircut hair faire hair des hair c'est-à-dire abandonner une partie de la dette et enfin la conversion de la dette en investissement en direct relève, ben, écoutez euh, je, je n'ose même pas dire le montant qui figure dans la loi de finances 2022 c'est je suis vraiment sidéré. C'est trois millions et demi de dirhams. Et l'année dernière, c'était 5 millions de dirhams. Dernière, millions de dirhams. Mmh. Sur un encours de dette de 1030 milliards de dirhams. Vous imaginez l'ambition? Vous imaginez? Et donc il faut qu'il y ait euh, des, une technique, des techniques de gestion plus dynamique, plus rationnelle de la dette, qui va faire en sorte que le Ça, service de la dette soit réduit. Et Je vous ai donné trois, quatre exemples. La conversion est, en, en est une. 3,5 millions. On arrive à convertir 3,5 millions de dirhams de dette extérieure en investissement au Maroc sur un encours de dette extérieure de près de 350-370 milliards. C'est une plaisanterie. Euh, autre euh, source, autre levier de financement, c'est marché financier. C'est la, la, la comment dirais-je? C'est reconsidérer la, la relation qui existe aujourd'hui entre le trésor public et le secteur bancaire. Pour moi, c'est une relation incestueuse qui doit cesser. Pourquoi Parce que vous avez des banques qui portent 190 milliards de dirhams de bons du trésor dans leur bilan, dans leur actif, et qui, euh, en réalité, font quoi Collèguent des dépôts à vue qui sont gratuits et qui les placent en bons du trésor sans, aucune, sans aucun risque de contrepartie, et donc ça génère des produits euh, des, du PNB. Euh, Ce n'est pas le rôle d'une banque que de financer le déficit budgétaire. Le, le, le trésor doit aller sur le marché financier. Il le fait bien sur le marché financier international. Pourquoi ne le ferait-il pas sur le marché financier national Et donc je suis favorable pour que ces 190 milliards de dirhams qui sont portés dans le bilan des banques soient transférés dans le bilan de Banque Lamarib. C'est une forme de quantitative easing. Ce que tous les pays ont fait, sauf le nôtre. Et donc ces 180 milliards de dirhams, s'ils sont transférés du bilan des banques vers le bilan de banque le Balep, eh bien ce transfert devrait se faire sous condition. C'est-à-dire que la trésorerie que la, que la Banque centrale va injecter dans les bilans des banques soit transformée en crédit pour l'économie réelle, pour les TPE et pour les euh, PME. Euh, enfin, les partenariats internationaux du Maroc... Euh, le rôle que peuvent jouer les Marocains du monde, les relations que nous avons avec les institutions financières internationales, avec un certain nombre de pays, eh bien, tous ces partenariats internationaux sont de nature à également être une source de levée de fonds de financement du nouveau modèle de développement. Donc vous voyez bien qu'il y a 6-7 leviers de financement qu'on peut activer. Mais qu'on ne voit pas ni dans le programme gouvernemental ni dans la loi de finances. Euh, parmi les leviers de financement, vous venez de citer l'endettement. Oui. Euh, au moment où nous on est alerté par le taux d'endettement qui est aussi autour de 100%, Et la question a été posée tout simplement au ministre délégué euh, chargé du budget, Monsieur fouzel Regier. Et à la, à la question, il a répondu que, qu au contraire. Euh, en fait, il a été interpellé sur le fait que nous ne consolidons pas les comptes dettes, dettes du Trésor et des, des établissements publics. À la question, il a répondu que lui, au contraire, il aurait aimé qu'on ait une consolidation des comptes et que c'est stipulé dans la loi organique de finances parce que ça aurait permis une réduction de la dette à moins 76 le taux actuel. Et il a donné l'exemple de ADM. Il a dit par exemple ADM a une dette de 30 milliards de dirhams, mais il ne faut pas oublier que ADM a également un actif, donc il faut mettre actif-passif. Voilà comment il a expliqué sa réponse. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur la, la question, M. Ben Moussa. Non, cette explication euh, est le reflet <laughs> d'une grande confusion. Et je vais essayer de lever cette confusion. Euh, ce dont il s'agit, la consolidation des comptes, ça tout le monde va applaudir. Vous savez que le Maroc ne publie pas de comptabilité patrimoniale. Est-ce que vous avez vu une fois le bilan du Royaume du Maroc Non, de l'État du Maroc, non. Nous n'avons pas, pas de comptabilité <laughs> patrimoniale. C'est ce dont parlait euh, le ministre Larcher. Et, et évidemment, moi je suis favorable pour qu'on puisse avancer rapidement et qu'on puisse avoir une comptabilité patrimoniale pour qu'on puisse savoir quel est l'actif. Et quels sont les actifs euh, de l'État du, euh, du Royaume du Maroc. D'ailleurs, beaucoup de pays publient une comptabilité patrimoniale. Or, ce que vous voyez, les lois de finances, c'est une comptabilité de flux. On voit les charges, les dépenses. Alors, si, euh, comment dire, si je voulais faire un, un rapprochement avec la comptabilité des entreprises, eh bien, l'État marocain, il a un compte d'exploitation, un compte de résultat, mais il n'a pas de bilan euh, connu public. Le taux d'endettement, on nous dit, il ne faut pas le comparer par rapport à la richesse nationale qui est un flux annuel, il faut le comparer par rapport à nos actifs. D'abord, il faudrait qu'on les connaisse, ces actifs. Avant de se référer à un élément de comparaison, il faut qu'on les connaisse. On n'a pas cette comptabilité patrimoniale, donc on n'a pas les actifs financiers euh, du manque, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous, euh, citoyens, nous, citoyens ou entreprises, lorsque nous allons auprès d'une banque, Solliciter un crédit. La banque regarde deux critères. La surface financière, que ce soit un individu une entreprise, la surface financière et la capacité de remboursement. La surface financière, c'est les actifs que vous détenez. C'est ce dont parlait le ministre Larcher. Mais la banque regarde d'abord et avant tout la capacité de remboursement, c'est-à-dire la charge que vous devez payer par rapport à vos revenus. Aujourd'hui, la norme internationale, dans l'analyse des finances publiques des États, et la norme qui est retenue par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les agences de rating, c'est d'abord et avant tout la capacité de remboursement. Or la capacité de remboursement, vous ne la mesurez pas par rapport à votre actif financier, mais par rapport à vos revenus de l'année. Le revenu de l'année d'un pays, c'est le PIB. Et donc, l'argument ou la réponse qui a été donnée, de mon point de vue, n'est pas valable. Euh, le taux d'endettement. Doit être mesurée par rapport à la capacité de remboursement du pays. Et cette capacité de remboursement du pays, c'est le PIB. C'est ce qui se fait en France, en Suisse, au Japon, aux États-Unis, en Chine et en Maroc. Troisième point qui est très important. Pourquoi voulez-vous vous libérer de des engagements par signature que l'État prend vis-à-vis -vis des établissements et entreprises publiques, sachant que le Maroc a choisi dans sa stratégie de domicilier une part importante de l'investissement public dans les bilans des établissements et entreprises publiques, alors que dans d'autres pays, c'est dans, dans le budget général de l'État. Donc c'est un choix de stratégie de finances publiques. Nous avons choisi, pour différentes raisons, essentiellement pour corriger et embellir un peu le taux d'endettement public, eh bien, et bien du trésor public nous avons décidé de déplacer par écriture comptable la dette de l'État, non pas dans le cadre du budget général de l'État et de l'endettement du Trésor public, et on l'a déplacé dans l'endettement des entreprises publiques, moyennant un engagement par signature, c'est-à-dire une garantie de l'État. Donc si vous avez défini et vous avez choisi cette stratégie de financement et de finances publiques, ben vous devez assumer les conséquences, c'est-à-dire que votre dette eh n'a aucune pertinence si vous la contonnez, vous la limitez uniquement à la dette du trésor public, vous devez prendre en considération la dette publique dans son entièreté, c'est-à-dire la dette du trésor public, la dette des collectivités locales et surtout la dette des établissements et des entreprises publiques. Je vous rappelle que dans la loi de finances 2022, nous avons 245 milliards de dirhams de budget d'investissement public et vous avez pratiquement le même montant entre le budget général de l'État et le budget des établissements et entreprises publiques autour de 88-90 milliards de dirhams d'investissement sur euh, pour chacun, 90 sur 88, 89. On va arrondir à 90 pour le budget général de l'État et 90 milliards pour le budget des établissements et entreprises publiques. Donc, nous devons absolument mesurer la dette publique marocaine, sinon ça n'a pas de cohérence, euh, globalement, et la mesurer par rapport à la capacité de remboursement de l'économie nationale, c'est-à-dire le PIB. D'ailleurs, c'est ce que font le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les agences de rating. On ne va pas créer, nous, Rien que pour nous faire plaisir, euh, une méthode euh, qui nous arrange. Alors, pour que les auditeurs et aud euh, téléspectateurs le sachent, aujourd'hui, la dette publique, elle est de 1030 milliards de dirhams, soit à peu près 94,5% du PIB. C'est ça le bon chiffre. Et ce n'est pas 76%. D'accord. Donc, euh, je pense, avant de clore euh, cet entretien, euh, juste un dernier mot par rapport à la polémique euh, qu'a suscité l'imposition du pass vaccinal. Quel impact sur la paix sociale, mais aussi sur le plan économique Rapidement, M. Limousin. D'abord, je respecte les citoyens qui refusent de se faire vacciner. C'est leur droit. Euh, C'est légitime. Et je considère que ma conception de la démocratie fait que je ne vois pas euh, pourquoi un gouvernement peut s'arroger le droit d'obliger les Marocains à se vacciner. D'ailleurs, il ne le fait pas. Maintenant que j'ai dit cela, je pense également que le sens de la responsabilité voudrait que les Marocains se fassent vacciner volontairement. Et ceux qui sont encore récalcitrants, et j'ai cru comprendre qu'ils sont autour de 5 millions, ce n'est pas 100 000, 200 000 de nos concitoyens, c'est quand même 5 millions. C'est qu'on n'a pas su trouver les arguments pour les convaincre. Il y a un travail énorme d'explication, d'information. Il faut rassurer, il faut faire appel aux médecins, aux médecins de proximité. On parle beaucoup de médecins de famille, médecins de, du secteur privé, pour mobiliser les Marocains, les 5 millions qui restent et qui refusent de se faire vacciner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point l'État, le gouvernement, est en droit de protéger la santé des Marocains. Et il est en droit d'imposer un passe vaccinal dans certains lieux. C'est le pendant de la démocratie. Mais il eût été normal de le faire avec beaucoup plus d'intelligence, avec beaucoup plus de sens politique. On ne peut pas décréter des choses comme cela, d'abord, et les appliquer 48 heures après. Première faute politique majeure. Deuxièmement, on ne peut pas le décréter dans un exécutif et, et on diffuse un communiqué. Non, ça doit faire l'objet d'un débat national au Parlement pour que les représentants de la nation puissent être Acteurs impliqués, aussi. mobilisés dans cette, dans cette décision qui est bonne, qui est salutaire. C'est dans la manière de la mettre en œuvre que, que, nous avons, que le gouvernement a, a, a fauté. Et pour que les représentants de la nation puissent aller auprès de leurs électeurs, leur expliquer les motivations et leur expliquer que c'est dans leur intérêt. Donc voilà, euh, je respecte les Marocains qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est un droit constitutionnel. Mais je respecte également l'impératif de protéger l'économie nationale, de protéger les citoyens d'abord et de protéger ensuite l'économie nationale et l'impératif de mettre un certain nombre de règles, de contraintes, comme cela se fait sous d'autres cieux, avant d'accéder à un certain nombre, un certain nombre de, de lieux. Et donc voilà, donc dans le fond, la décision est nécessaire. Est, elle n'a pas été faite dans l'art et la manière. Mais la manière de... Dans, dans, de, 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 de mettre en œuvre cette décision, des erreurs monumentales, ce qui est normal. Quand vous avez un gouvernement qui n'est pas d'essence politique, c'est normal qu'on fasse, ce qu fasse ce type d'erreur. C'est normal qu'on fasse ce type d'erreur, mais il faut vite rectifier ces erreurs. Mm -hmm. Le pays, je vous dis, notre pays a besoin de sérénité. Notre pays a besoin de retrouver de la sérénité. Notre pays a besoin de retrouver de la cohésion nationale, de la cohésion sociale. Nous, travers, nous venons de sortir d'une période de dix années difficile, où nous avons accusé un retard considérable dans beaucoup de domaines. Le gouvernement que nous avons, Aujourd'hui, c'est le reflet de la volonté des citoyens. On peut être heureux, on peut être malheureux, c'est un fait accompli. Il faut l'accepter. Et ce gouvernement, il, faut, il est condamné à réussir. Parce qu'on sort de dix années de, de, de sécheresse intellectuelle, de sécheresse dans la conduite des politiques économiques, des politiques publiques. On ne peut pas se permettre de rater encore cinq années. Donc j'invite et, et, et j'appelle ardemment mes amis de l'Estirkel, mes collègues, du RNI et du PAM, à reconsidérer à la fois le contenu de leur programme gouvernemental pour qu'il soit plus en phase avec l'ambition portée par le nouveau modèle de développement, qui, à mon avis, épouse et se rapproche un peu de, des attentes de nos concitoyens. Et elle est, un peu, elle est également en phase avec la feuille de route qui a été fixée par Sa Majesté. Donc je les appelle ardemment à revoir leur copie et à reconsidérer leur choix de politique gouvernementale pour être beaucoup plus ambitieux et plus, plus, plus fidèles plus fidèle aux réformes qui sont portées par le nouveau modèle de développement. Et deuxièmement, je suggère, je, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de hauteur, de vue stratégique, de vue politique dans les décisions qui sont mises en œuvre. Il faut qu'il y ait davantage de discussions avec le Parlement. Il faut que le Parlement devienne un partenaire dans le programme gouvernemental. Euh, il est dit que le gouvernement veut que, avoir une relation de partenariat avec le parlement, avec, avec l'opposition, etc. Très bien, j'applaudis, mais vous faites exactement le contraire. Donc corrigez vite. Et surtout, il faut vraiment être, euh, euh, comment dirais-je, euh, au niveau de la responsabilité qu'exige le moment actuel. Et des attentes. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Monsieur Bin Moussa. Vous avez parlé de plusieurs réformes structurelles et qui sont impératives euh, pour l'économie nationale. Vous avez parlé de la réforme budgétaire, de la réforme monétaire, euh, de la réforme fiscale. Nous pouvons en citer bien d'autres. La réforme euh, du la de, de la politique monétaire. Nous pouvons en citer bien d'autres. La réforme du système de retraite, la réforme de la commande publique, la réforme liée à la politique de l'eau. C'est pour dire que, que, que l'ampleur des objectifs à réaliser par le Maroc pour s'inscrire effectivement dans le cercle croissance, dans le cercle des pays émergents et réaliser les taux de croissance de 6 à 7 attendus par le nouveau modèle de développement. Merci encore une fois monsieur Boumoussa. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.